l'été 2021 à l'été 2020, à maintenant, eh bien, c'était le temps des travaux, avec une partie d'appel d'offres, de consultations, pour sélectionner les 250 entreprises via les 140 marchés de travaux. Quand on a eu à se poser la question de sélectionner ces savoir-faire, on a voulu que les entreprises puissent accéder à nos commandes. Et donc, on a d'emblée évité de faire un macro-lot qui ne nous aurait pas permis de sélectionner tous ces savoir-faire, d'autant qu'ils sont détenus par des TPE, des artisans d'art, qui sont parfois même des indépendants. Il y a finalement un souci du long terme chez ces acteurs, un souci de la transmission des savoir-faire. Et on avait justement la préoccupation tout au long de ce chantier d'informer sur le déroulement du chantier, mais en même temps de faire connaître ces savoir-faire pour susciter des vocations. Et je crois que ça a vraiment bien fonctionné. Et on a vraiment rencontré le souci de la transmission qui existe déjà dans ces petites entreprises.